Jesse qui raconte sa vie ici, là, pour dire que moi je les ai trahis et patati et tralala. Alors, à aucun moment, moi je voulais créer une alliance avec vous pour parler de trahison. Alors, c'est quand il y a alliance entre deux personnes là qu'on peut dire qu'il y a eu trahison. Moi je ne suis pas votre allié, ça c'est un. De deux, moi je vous combats. Vous m'envoyez des notes vocales, vous me dites tu joues un, tu gardes l'autre. Vous êtes qui pour me dire ce que je suis censé faire? Vous pensez que vous allez me dicter mes pas, ou bien vous allez me dicter ce que je dois faire? Quand oui, tu joues un, tu gardes l'autre. L'autre même que je dois garder là, elle se fout de moi dedans encore en plus. Elle me donne des ordres dedans. Et ça, moi, je dois garder. C'est sûr de ça. En fait, toi et puis ta madame là, vous fumez quoi? Ou bien votre livreur là, c'est Kodo, il sèche et puis il met dans le mixeur et puis il vient vous donner tout. Vous pensez que. Je ne sais pas pour qui vous prenez quoi, pour me donner des ordres en fait. Il y a quand tu dois jouer un, tu dois garder l'autre. Quelqu'un, tu as trahi quoi? Je vous ai trahi où? Moi, je vous connais où? Moi, je ne suis pas en train de m'amuser avec vous. Madame, je n'ai même pas envie de m'amuser avec vous en fait. Donc, ce que je vous demande, que vous n'êtes pas capable de m'envoyer là, je joue ça quand je veux. Voilà. Moi, je ne négocie pas. Est-ce que tu comprends? Si je décide de t'affronter là, je vais jusqu'au bout. Il n'y a pas de négociation dedans. On vous a demandé une simple vidéo pour réitérer l'engagement de Madala. Est-ce que vous avez pu m'envoyer ça? Je vous ai demandé une simple vidéo. Mais ce n'était pas dans l'accord. Ce n'était pas dans l'accord, président. Ce n'était pas dans l'accord. Comment? L'accord, c'était que. Non, l'accord, c'était que tu authentifies. Que oui. Tu parles vraiment, madame, pour que le général prenne le relais à Abidjan. Est-ce que moi, madame, c'est ma camarade pour que j'authentifie sa voix? Je ne la connais pas. Non, mais allons sur le principe. Je ne sais pas qui c'est. Je ne veux pas authentifier une voix de quelqu'un que je n'ai jamais vu dans ma vie, je ne l'ai jamais fréquenté. Je ne sais pas. Toi, Jésus, tu es capable de tout. Tout le monde sait le fossé que toi, tu es. Tu peux aller prendre de tes copines, venir m'appeler. Comment, madame, encore, tu vois, m'appeler avec un numéro du Bénin et tu me dis d'authentifier sa voix? En tant que femme, tu es la belle fille, tu mets tes beaux parents dehors. Alors que tu as leurs enfants d'après toi, tu dis c'est la famille. À quel niveau on met ses parents dehors? On met les parents de ses enfants dehors. Les gens qu'elle a mis dehors là, c'est les parents de ses enfants. Qu'elle le veuille ou pas là, c'est un lien qu'elle pourra jamais, 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 comment on appelle ça, chose rompre. Donc voilà, il faut qu'elle reste concentrée. Si vous étiez de bonnes personnes là, si vous étiez de bons conseillers là, vous allez l'amener à venir négocier en soumbrelé. C'est-à-dire qu'à venir. Est-ce qu'on peut répartir sur la table de négociation? On peut répartir sur la table de négociation? Moi, je ne négocie plus. Là, on a tenté une fois, tu es sorti pour dire que Mara dit que nous, on n'est pas Dieu. On va lui montrer effectivement qu'on n'est pas Dieu. Voilà, la France a ouvert. Ah non, mais comment on a la possibilité? Moi, je ne veux plus de négociation. On va s'affronter jusqu'au bout. Que le meilleur gagne. Voilà. Vous ne négociez plus. Vous avez ouvert le contrat que vous avez joué matin là. Je vous la. Vous avez, on a porté déjà plein comme ça. Hein. Ah bon. Je n'ai pas compris. Tu as dit quoi? Et dit le contrat. Oui. Parce que c'est bien écrit dans le contrat que c'est confidentiel. Vous avez joué ça là. Les Chinois vont nous payer. On a joué ça bien. Même si elle fait, je rejoue ça encore ce soir. Elle a dans son live dans lequel elle ment comme quoi elle n'a rien reçu de la Chine là. Qu'elle a reçu juste un dédommagement et patati et tralala. C'est ce live-là que je vais prendre pour aller répondre à sa plainte. J'arrive à Abidjan les presser. Moi-même, j'arrive à vous porter plainte contre elle comme partie civile. Donc, faut même pas se presser. Moi-même, je veux que les juges tranchent cette affaire. Moi, je veux que nos autorités tranchent cette affaire. Donc, tu penses que si madame a porté plainte contre moi, ça va me freiner? Elle n'a qu'à redoubler la plainte parce que j'arrive. Et j'espère que son pays va être attaché. Et si c'est tout toi qui compte là, elle n'a qu'à savoir qu'elle a tiré à terre. Parce que toi-même, tu es déjà réfugié en France ici. C'est pas quand est-ce que tu as trouvé la route pour aller à Abidjan. Voilà. Donc toi-même, tu es fichu déjà, tu es bloqué ici. Donc si c'est tout toi qui compte, franchement, je pense que vous pensez que vous faites du faux et usage du faux. C'est-à-dire que vous faites du faux. Vous avez un faux acte de mariage et vous en faites usage. Oui, vous vous en servez pour aller louper. Ah, trois enfants. C'est vous qui faites du fou dans le pays. Et vous pensez que vous pouvez aller porter plainte. La personne, ce qui a compte là-bas, là, s'il ne fait pas attention, lui, il va aller en prison. Acte de mariage avec trois enfants. Voilà. Acte de mariage avec trois enfants. Attends. L'acte de mariage de 2007, là. Dans la vidéo où elle est, dans le live où elle était, là, elle a confirmé qu'elle s'est mariée en 2007. Et mais c'est le document que nous on a eu de la mairie de Dabou qui prouve que c'est faux. On va envoyer ça au tribunal, on va mettre ça devant le juge. Et puis on verra bien, dès là, nous, là, de qui il faut se méfier. Voilà, le maire de Dabou sera convoqué pour ce procès-là.
elle sait pas où elle est, elle sait pas où on a, elle pense que tout ça, elle, ça fait, attends, elle pense que c'est une affaire entre elle et puis la famille de Tioté, mais ça dépassait la famille de Tioté aujourd'hui. Elle vous a battu là, elle vous a fait quoi personnellement même? Elle ne nous a rien fait, mais elle a fait du mal à Tioté et à sa famille. Et elle aurait dû, elle aurait, en tant que belle-fille, elle aurait dû se calmer et puis aller demander pardon, faire les choses, régler les choses bien. Mais comme elle veut faire elle veut faire bras de fer, non? Et puis elle n'a pas choisi défenseur, c'est toi elle a pris. En tout cas, oui. Bras de fer là, on va aller avec ça. Elle n'a rien fait, elle m'a rien fait, je ne la connais pas. Moi, je ne veux plus de négociations avec elle parce que c'est une entourloupeuse. Il a honte parce que c'est lui qui a fait la honte. Moi, je suis l'ambassadeur de la paix sur la toile. Tout le monde le sait. C'est moi qui cherche à mettre la paix partout là où on peut mettre la paix. Mais il y a des gens avec qui on met la paix, on négocie pour faire la paix. Madame n'est pas, elle n'est pas, c'est pas un enfant de cœur. Est-ce que c'est clair? Madame, c'est une marmailleuse. C'est-à-dire que la personne qui a formé Makosso là, c'est Madame qui a formé la personne dans la marmaille. La personne qui a formé Makosso dans la mama et la Mada, c'est Mada qui l'a formé, elle, lui. Donc là, moi je ne peux pas avoir de négociation avec quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui dit qu'elle veut négocier et puis elle te parle mal ou bien elle te donne des ordres. Oui, Jessie c'est Mada. Oui, en fait, il dit à Yaka, Makosso, Aya, et blablabli, et blablabla, et que qui est son camarade?